tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucas ou KidjaSM57. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA. Donc ça faisait tellement longtemps que j'avais plus de vidéos, je pouvais plus en faire, j'avais plus d'espace sur le téléphone, donc j'ai oublié de libérer d'espace. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le dernier match de Ligue 1 Metz contre le Nîmes Olympique. Donc normalement j'avais dit qu'après ce dernier match on ferait des matchs de Ligue des Champions, mais changement de programme. J'ai décidé de faire des matchs de Ligue 2, mais en augmentant la difficulté, parce que sinon ça va être trop facile. Donc j'augmenterai en pro au lieu de semi-pro, parce qu'en semi-pro ça va être trop facile, donc j'augmente. Bon, ça va être moins facile, de toute façon il y aura des matchs où je vais perdre, c'est sûr. Par exemple contre Chambly ou des trucs comme ça, j'ai gagné gros. On verra, hein. Ça se trouve, je perds contre Chambly, mais je pèterai un câble. Après, voilà. Si j'aurais laissé en semi-pro, on aurait tout gagné, ça aurait été trop facile. Donc là, on commence ce match, en espérant que ça vous plaira. Donc, compo du FCMS, dans les buts, ça sera Guillaume Dietsch. En défenseur gauche, Manuel Kaby. Défense centrale, Aboulot et Lenny Lacroix. En défenseur droit, 111. En milieu, Ambrose, Lassaini, Traoré. Et en ailier gauche, Ndia Gayad. En buteur, ça sera Ibrahim Magnan. Et ailier droit, Mikotad. Donc je voulais faire jouer des petits joueurs pour voir comment ils jouaient. J'en ai déjà testé quelques-uns, il y en a qui sont bons. Là j'en fais tester quelques autres, on verra. Bon, ça va être moins facile que d'habitude, parce que si j'aurais mis tous les bons joueurs, on aurait gagné au moins 3 ou 4-0. Donc là, avec les petits joueurs, je pense qu'on pourra perdre, mais on verra. Peut-être qu'on gagne, peut-être qu'on perd, je ne sais pas, on verra. Je vous laisse découvrir le 11 de départ du FC. Ambrose qui perd le ballon, récupéré par Ben Raoult avec Nolan Roux. Zinedine Ferrat qui perd le ballon, mais c'est de nous récupéré par les... Pas les Nîmois, mais après c'est récupéré par les Messins, c'est de nouveau perdu. Oh là là. Ah, bien joué Thierry Ambrose. Manuel Kaby. Kaby avec Ibrahim Magnan. Magnan avec Kaby. Manuel Kaby, attention, qui va centrer. Et le poteau. C'était bien joué de la part de Kaby, mais Nian qui met la tête sur le poteau, c'est pas grave. Ah, c'était tellement bien joué. Romain Philippoteau. Philippoteau, attention, Philippoteau qui centre, mais c'est raté. Bien défendu par Aboulot. Aboulot avec Sami Lassaini. Sami Lassaini avec Manuel Kaby. Sami Lassaini, attention, qui est tout seul dans le couloir gauche. Lassaini qui va centrer. Mikotad, c'est ça, passe au-dessus. Ça passe pas loin. Voilà, frôler la transversale, la tête de Mikotad. Ambrose. Ambrose avec Ndia Gayad. Ndia Gayad qui est tout seul. Il va frapper. L'ouverture du score. L'ouverture du score du FC Metz. À la 19ème minute, ça fait 1-0. But de Pape Ndia Gayad. Je suis sûr, les défenseurs ne sont pas irréprochables. Ah, oh. Il est bon, lui. De toute façon, ça aurait été très compliqué de l'empêcher de filer au but. Ça pour un petit joueur. Oh. Et ça fait donc 1-0 au terme de l'affichage. Ça, il y a un problème, c'est pas possible. J'adore les paramètres. Et. Ah non, il n'y a rien qui a changé. Pourquoi je suis aussi fort? Putain, chiant. Je suis en semi-pro ou pas là? Je sais même pas. C'est trop facile. Bah oui, ils sont en semi-pro. Bon, je comprends pas là. Frère, c'est trop facile. Alors qu'on est en semi-pro et on a mis les petits joueurs. C'est bizarre. Pourtant, j'ai rien augmenté. Hein. Les joueurs, je les ai même pas augmentés. Ndia Gayad. C'est bizarre. Attention, le centre. 2-0. Mais pourquoi c'est trop facile? Attends, je comprends pas là. 23ème minute, 2-0 pour Metz. Ibrahim Magnan. Là, je comprends pas. Il faut
faut surtout pas se relâcher maintenant. 23 minutes, déjà 2-0 avec des petits joueurs. C'est vraiment Zarbi. Pourtant, j'ai augmenté aucun joueur. Et les paramètres, ben, c'est, j'ai rien truqué. J'ai pas augmenté l'accélération ou la vitesse. Hein. C'est Zarbi. Bref, c'est bon. Touche pour Metz. Ambrose qui joue avec Yad. Yad qui prend le ballon. Sofiane à la couche. Attention, Sofiane à la couche. Qui part tout seul dans le couloir gauche. À la couche qui centre et c'est mal contrôlé. C'est sorti, ce sera donc un renvoi. De la part de Nolan Roux, donc ça sera 6 mètres. Dietsch qui joue avec Lesseni. Lesseni qui perd le ballon. Zinedine Ferrat avec Lucado. Lucado avec Yacine Benraou. Nolan Roux avec Lucado. Zinedine Ferrat. Lucado. Attention, et c'est pour Guillaume Dietsch. Gumjet avec Aboulo, Manuel Kaby avec Thierry Ambrose, et Thierry Ambrose qui sera sur sa passe. Et bien défendu par Lenny Lacroix. Lesseni avec Ndia Gayad. Ndia Gayad, attention, qui part tout seul, il va centrer. Nyan, et quelle parade! Et le but! Le but de Boubacar Traoré! 3-0 pour le SMS à la 39ème! C'est Boubacar ou c'est Thierry Ambrose? Je sais pas. J'ai regardé. Pour moi, c'est Boubacar Traoré, mais j'ai regardé. Ouais, c'est Boubacar Traoré. Oh, le mec, il est à 59 général, il marque! Oh, c'est. Ouais, bah. Non, mais c'est vraiment bizarre. Soit c'est moi qui est trop fort, ou soit c'est eux qui sont vraiment pourris. Je crois que c'est bien ça, c'est eux qui sont pourris en fait. Ah ouais, super. Attention, Nolan Roux qui centre et c'est bien défendu par Samy Lesseni. Aboulo avec Ndia Gayad qui part tout seul. Ndia Gayad qui va centrer. Mikota, c'est complètement raté. C'est pas ce qu'il a voulu faire parce que. Complètement raté la reprise de Mikotadze. De toute façon, ça m'étonnerait qu'on perde. Hein. 2 minutes de temps additionnel. L'arbitre va pas tarder à siffler. Et voilà. Mi-temps, 3-0 pour Metz. Avec des buts signés Ndia Gayad, Nyan et Boubacar Traoré. C'est Zarbi. Hein. Bon, c'est bizarre. Attendez, je vais bien vérifier les paramètres. Ouais, tout est à 50, tout est normal. Ouah, c'est bizarre. Bon, on reprend la deuxième période, hein, avec Nolan Roux qui redonne le coup d'envoi. Suspense en première période, comment vous voyez la deuxième? Lucado avec Yacine Benraou. Yacine Benraou, c'est bien défendu par Samy Lesseni. Boubacar Traoré. Mikotadze avec Boubacar Traoré. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Et c'est à côté. Oh, il fallait pas rater ça. Oh, c'était facile ça. Il a quand même réussi à la rater. Oh, c'est pas grave, on gagne 3-0. Ça m'étonnerait qu'ils nous mettent 3 buts. Pour l'adversaire. Valls. Théo Valls qui perd le ballon. Récupéré par Georges Mikotadze. Georges Mikotadze, la passe est trop profonde. Récupéré par Martinez. Martinez, bien défendu par Lenny Lacroix. Et c'est perdu. Récupéré par Nolan Roux. Nolan Roux encore. Et c'est bien défendu par Fabien Santonze. Santonze avec Mikotadze. Mikotadze qui perd le ballon. Ça part bien l'action. Oh, bien joué Lenny Lacroix. 111. Avec Mikotadze qui se retrouve tout seul dans le couloir droit. Mikotadze
qui va centrer et... Ouais, le doublé, non, le poteau, et oui, le but. Le but de Thierry Ambrose, 4-0. 59e minute. Putain, India Gaillard, il l'a mis sur le poteau, j'ai cru qu'elle y était, mais non. Mais après, Ambrose qui la reprend et ça fait 4. 4-0. Yes. 4-0, oh putain. Avec des petits joueurs, ça arrive à gagner autant, quoi. Putain, ils sont vraiment éclatés, Nîmes. Donc, imaginez-vous avec les vrais joueurs. Ah là, il y aura au moins 7-0. 6 ou 7-0. Attention, Philippe Otto qui va centrer, mais non, il sera complètement. 111. 111 avec Mikotad. Mikotad avec Ibrahim Magnan, il n'y a pas hors-jeu. Il est tout seul, Ibrahim Magnan. Nyan, le laisse à côté. Oh, il arrive à rater ça. Alors, lui, il est vraiment perché, lui. Oh, c'est pas grave. Sofiane à la couche qui sort et Paquier qui rentre. La Saini avec Ibrahimanian. Ibrahimanian avec Mikotadze. Mikotadze qui va frapper. C'est à côté. Oh, il était dans un angle vraiment fermé. Ouh, ça passe pas trop loin. Ça frôle la transversale. C'est dommage. Théo Valls qui sort et Famba qui rentre. Attention, Mikotadze qui a voulu récupérer le ballon, mais c'est perdu. Lucado, attention. Et c'est bien défendu par Lenny Lacroix. Thierry Ambrose avec Ndia Gaillard. Oh, il part tout seul, Ndia Gaillard. Il va centrer. Mikotadze, quelle parade de Paul Bernard Denis. Bon, on va laisser le rat. Wow. Regardez. Wow. Ouh, putain, elle était belle la parade. Corner. Attention, elle s'est bien défendue. Lenny Lacroix. Qui va frapper. Oulô, c'est complètement raté ça. Complètement raté, Lenny Lacroix. Sinon, Traoré pour Nyan. Nyan qui perd le ballon. Allez, on va déjà faire un changement. Bon, on va en faire deux même. Donc, Nyan, tu vas sortir. Là, la deuxième période, t'es pour off. Diallo, tu vas rentrer. Qu'est-ce qu'on va se faire Ben, un Boulaya, tu vas rentrer et une Cotade, tu vas sortir. P, bien défendu. Ben Raoult. Bon, Yacine Ben Raoult. Avec Zinedine Ferrat. Ferrat, le centre, et c'est bien défendu par Boulot, mais c'est de nouveau perdu. Et la frappe complètement dessus de Lucado. Dietsch qui dégage pour Samy Lassaini, mais c'est perdu. Nolan Roux. Philippe Otto, attention Philippe Otto, qui rentre dans la surface, il est tout seul. Et quelle parade de Guillaume Dietsch. Et la réduction du score. 4 buts à 1. 82e minute, Romain Philippe Otto. Oh, mais quel arrêt de Guillaume Dietsch. Après, il avait juste à la reprendre et à la mettre au fond, hein, Philippe Otto. Enfin, regardez l'arrêt. Wow. On va dire que Kaby a fait de la merde aussi. L'autre, il l'a laissé tirer au calme. Bon, on va le faire sortir lui aussi. Bon, Kaby, t'as été mauvais. Kaby, tu sors et Delaine, tu rentres. L'un des hommes de ce match qui va sortir. Le gars, il l'a laissé tirer au calme. Il est con. Diallo. Diallo, la frappe de Diallo. Oh, ça passe pas loin. Il reste 6 minutes. Boubacar Traoré, attention à la Saini. Boulaya. Boulaya, Diallo. Diallo avec Boulaya, la frappe de Boulaya.
et c'est à côté. Oh non, c'est Bernard Denis qui la sort. Centre. Et les deux points de Bernard Denis. Boulaya. Pas Boulaya. Delaine. Delaine qui va frapper. 5 5-0. Thomas Delaine vient juste de rentrer. Ça fait 5-1. 89ème. Ah, il est rentré il y a quoi, 3 minutes et le gars il marque. Wow. Bien joué Thomas. Ils ont l'avance très confortable à l'approche de... Oh 5-1. Oh, c'est quand même un peu abusé. Alors que c'était que des petits joueurs. Hein. Donc avec des les grands joueurs. Le... Ah voilà. Ouais, je disais avec les vrais joueurs, ça aurait été plus violent, je pense. Hein. 5-1 avec des petits joueurs, je pense qu'il y aurait 8-1 avec les grands joueurs. 3 minutes de temps additionnel, on en a déjà passé 2. Bon, de toute façon, je pense plus qu'il y aura de but. Hein. Attention, la frappe complètement ratée. L'arbitre qui va bientôt siffler. Attention, Gumbiachu qui rate son dégagement. Attention, il est tout seul. Il est tout seul, il frappe. Et le poteau. Et l'arbitre va siffler, oui. C'est fini, victoire du FC Metz 5-1 contre le Nîmes Olympique. C'est violent quand même. Hein. Je pensais qu'on allait perdre ou gagner, mais un petit score. Hein. Bah non, 5-1. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve dans 2 jours pour le premier match de Ligue 2. Bien sûr, on augmentera la difficulté parce que... on gagnera des 6 ou 7-0, ça va être trop facile. Donc c'est pour ça que j'augmente, comme ça il n'y aura pas de gros score. Donc les gars, je vous laisse et je vous dis à dans 2 jours. Allez, bis.